Robert Greiner, le pompier d'Avignon. Pendant les 19 ans qui ont suivi son crime, ce violeur et tueur a vécu tranquillement dans l'impunité totale et son meurtre a bien failli être classé sans suite. Le crime parfait. Ça, c'était du temps de la police de papa, quand les experts n'étaient pas encore les rois de l'enquête. Mais 19 ans plus tard, grâce à la ténacité d'un juge d'instruction et l'entêtement d'une mère, les scientifiques ont fini par le confondre et le traîner devant une cour d'assises. Avec l'ADN, le crime parfait devient une chimère. 8 décembre 1987, Evelyne Boucher, lycéenne de 16 ans, rentre chez elle à Villeneuve-les-Avignon. Dans le bus, elle tombe sur Christelle, une voisine de son âge qui habite le même lotissement. 10 minutes plus tard, les deux adolescentes descendent du bus et poursuivent leur route à pied. En chemin, elles discutent tranquillement jusqu'à chez Christelle. Evelyne, elle, habite un peu plus loin. Elle quitte sa petite camarade devant le domicile de celle-ci et elle continue son chemin sur 400-500 mètres sur une route qui, à ce moment-là, était déserte. Le lendemain, vers 7h45, deux chasseurs font une terrible découverte. Au lieu dit du plan de la dame, à 7 km de chez Evelyne. Voilà, c'est ici que j'ai trouvé cette jolie fille, là, qui est allongée. Malheureusement, elle était décédée. L'adolescente est couchée sur le sol, le visage contre terre. J'ai vu qu'il avait un peu de sang. Et alors mon collègue, je lui ai dit, tu restes là, je vais téléphoner, on va trouver quelqu'un pour qu'il vienne à la commissariat de police. C'est la police judiciaire d'Avignon qui prend l'affaire en main. La veille au soir, des parents avaient signalé la disparition de leur fille, une certaine Evelyne Boucher. On est arrivé avec mes collègues de l'identité judiciaire sur place. On s'est rendu compte qu'il y avait du sang au niveau de la nuque. Et en touchant à ce niveau-là, on a constaté qu'il y avait un orifice d'entrée d'une balle qui se situait au-dessus de l'oreille droite. Ensuite, on a retourné le corps. On a vu qu'elle présentait des tuméfactions au niveau du cou, comme s'il avait été griffé ou serré avec les ongles, avec les doigts. On voit qu'elle a été maintenue face contre terre parce qu'elle a des petites feuilles sur le visage. Elle porte des traces de coups à la pommette ou aux lèvres. Les policiers inspectent les alentours. Juste à proximité du corps, il y avait les vêtements, un blouson qui était taché de sang d'ailleurs. Un t-shirt, les bas, la culotte. Et la jeune fille était uniquement vêtue d'une mini-jupe et elle portait ses chaussures. Les vêtements ne sont pas déchirés. La victime porte tous ses bijoux, sauf sa boucle d'oreille gauche qui a disparu. Il manque aussi l'un de ses gants de laine. Les vêtements sont pliés à côté d'elle. Elle a été identifiée immédiatement. Il y avait son cartable d'écolier avec son nom à côté d'elle aussi. C'est bien Evelyne Boucher, l'adolescente qui a disparu la veille. Gisèle Grenier, vous êtes la maman d'Evelyne. Comment est-ce que vous apprenez qu'on l'a retrouvée morte ? Après l'avoir cherchée toute la soirée jusque vers les minuit, nous signalons sa disparition au commissariat. Et la nuit est longue. Et le lendemain matin, je téléphone au commissariat pour savoir s'ils ont des nouvelles. Et là, ils me disent, ne bougez pas, restez chez vous, on va venir.
Donc je préviens mon mari pour lui qu'il essaie de savoir, d'en savoir un peu plus. Et là, j'attends jusque vers les midi et demi où je vois arriver deux véhicules de police avec mon mari à l'intérieur. Des policiers qui rentrent à la maison, qui investissent les lieux, qui montent de suite dans la chambre de ma fille. Et mon mari qui me prend dans ses bras et qui m'annonce la terrible nouvelle en me disant qu'Evelyne est morte. C'est quelque chose que vous aviez envisagé ? Absolument pas. Donc, vous étiez dans l'espoir à ce moment-là, vous ? Bien sûr, j'étais dans l'espoir. C'était une fugue ? Je n'y pensais pas parce que, si vous voulez, elle ne s'était pas dans ses habitudes. C'était quelqu'un qui était en retard, qui me téléphonait. Donc, mais je ne pouvais pas m'imaginer... Qu'elle était morte ? Qu'elle était morte. Alors est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une piste ? Est-ce que vous voyez qui a pu faire ça ? Absolument pas. Elle a 16 ans, elle est en première au lycée... Elle a l'insouciance de sa jeunesse. Elle ne sort pas, elle ne va pas en boîte. Les vacances scolaires, elle les passe avec mes parents sur Paris. C'est pas possible qu'il ait pu lui arriver une chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment difficile. La nouvelle de la mort d'Evelyne fait le tour de la région. L'interrogation était un petit peu sur toutes les lèvres et les gens parlaient beaucoup de cette affaire. On n'avait aucune idée de qui avait pu commettre les faits et donc il y avait une grande inquiétude de la part des parents. Et c'est vrai qu'on avait eu à l'époque ordre de rentrer immédiatement à la maison dès qu'on descendait du bus et de surtout ne pas parler à qui que ce soit et de vraiment ne pas traîner du tout dans les rues. Une information judiciaire est ouverte. Elle est confiée au juge Christian Lernoux, qui dès le départ en fait une affaire personnelle. Le caractère sauvage de cette agression faisait que ce fait divers tragique prenait particulièrement à cœur les gens qui en étaient chargés, comme les professionnels de la justice. Quelques jours plus tard, le médecin légiste rend ses conclusions et l'hypothèse se confirme. Il s'agit bien d'un crime sexuel. Outre les traces qui montrent que vraisemblablement il y a eu un rapport sexuel, des rapports sexuels contraints et forcés sur cette jeune fille, elle a été frappée sauvagement et elle a été ensuite exécutée d'une balle dans la tête. C'est vraiment d'une grande sauvagerie et c'est une agression qui se termine de sang-froid par un exécuteur. Sur le corps, les légistes ont retrouvé du sperme. À travers les prélèvements biologiques qui ont été effectués, qui prouvaient la présence de sperme dans l'organisme et dans les parties intimes de la jeune Evelyne Boucher, on se dit qu'on a vraiment beaucoup d'éléments qui pouvaient permettre d'identifier rapidement, le pensions-nous, l'auteur des faits. L'autopsie permet de déterminer qu'Evelyne a été tuée entre 19h et 22h. L'assassin a laissé des traces. Tant mieux pour l'enquête qui débute. Les policiers s'intéressent tout de suite à la victime. Qui était Evelyne ? Qui fréquentait-elle ? Et qu'a-t-elle fait ce jour-là ? Evelyne, c'était quelqu'un de très gai. C'est une fille très simple, jamais d'histoire. Elle croquait la vie à pleines dents. Elle travaillait très bien à l'école, elle était très intelligente. Donc, on était dans la même classe, donc je voyais bien. Il suffisait qu'elle lise une fois une leçon, elle la savait. Donc, c'était très facile pour elle. Evelyne, c'était une jeune fille très charmante, qui appréciée par les professeurs et aussi par les élèves, puisqu'elle était assez populaire. Evelyne Boucher était en première au lycée Théodore Obanel, à Avignon. Depuis le divorce de ses parents, elle vivait avec sa mère, sa sœur, son beau-père et les deux enfants de celui-ci. Et ça se passait plutôt bien. Evelyne était une fille très communicative.
avec elle, c'était toujours le sourire, c'était toujours la bonne humeur, c'était toujours les, des paroles pour permettre qu'il y ait une osmose générale dans toute la famille. Elle était magnifique, quoi. C'était notre rayon de soleil. Depuis toute petite, Evelyne avait une passion, la gymnastique. Elle avait commencé à 6 ans et tous les mardis soirs, elle donnait bénévolement des cours aux élèves de son ancien collège. Elle avait un assez bon niveau en gymnastique puisqu'elle a fait les championnats de France scolaire. Il a fallu qu'elle ait un petit problème à la cheville pour qu'elle délaisse un peu la gymnastique de haut niveau. Une gamine sportive et sans histoire. Sauf que ces derniers temps, elle séchait les entraînements de gymnastique et faisait l'école buissonnière. Car elle était amoureuse. Elle sortait avec un garçon, Salvador, et elle en aimait un autre secrètement, Donato, le serveur du bar Le Carnot, où elle avait l'habitude d'aller avec ses copines. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout entre eux, mais qu'elle aurait passé, des heures à le regarder en buvant son café, voilà. Mais c'était un amour platonique, on va dire. Il n'y avait rien entre eux. Des heures plongées dans les yeux de Donato. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait ce 8 décembre 87? Ce jour-là, elle part au lycée à l'heure normale. Elle manque le lycée. Elle passe la matinée au bar Le Carnot. À midi, Evelyne déjeune à la cantine, puis retourne au Carnot. Elle va déclarer sa flamme à Donato. Le jeune serveur a une course à faire pendant sa pause. Evelyne en profite pour l'accompagner. Et l'après-midi, elle a réussi à s'isoler avec le, avec ce Donato qui l'a amené boire un verre dans un autre bar. Il lui a expliqué gentiment que comme elle était trop jeune pour lui, lui il avait 21 ans, que les âges ne correspondaient pas. Evelyne a été déçue, mais elle n'en a pas fait toute une histoire. Vers 17h, elle a rejoint son petit copain, Salvador. Ils sont restés chez lui à discuter, puis Salvador l'a raccompagné à l'arrêt de bus. On est certain qu'elle a pris le bus parce qu'elle a discuté avec le chauffeur. Et puis plusieurs enfants du quartier l'ont vu. Ah, le chauffeur du bus s'en souvient. Evelyne était souriante, elle avait l'air en pleine forme. Comme il faisait nuit, il lui a même demandé si elle n'avait pas peur de rentrer seule. L'adolescente lui avait répondu que non, qu'elle savait se défendre. Vers 18h30, Evelyne est descendue du bus avec sa copine Christelle. Géraldine, une camarade qui habite le carrefour, les a aperçues. Et quelques minutes plus tard, elle a vu Evelyne repasser dans l'autre sens. Je regarde par la fenêtre et je vois Evelyne qui passe dans une voiture. Donc je suis très surprise et en fait c'est justement pour ça que je m'en suis rappelée, c'est parce qu'on était en début de semaine, on était mineur à l'époque et donc ça m'a beaucoup surprise de voir qu'elle pouvait sortir un soir de semaine. Elle était toute seule assise à l'arrière et il y avait une seule personne à l'avant, le conducteur bien évidemment. Curieuse, Géraldine a suivi la voiture du regard. Je me suis bien penchée pour reconnaître Evelyne. Et le conducteur, évidemment, je l'ai regardé puisque je ne connaissais pas par curiosité. Je voulais voir à quoi il ressemblait, avec qui elle sortait un soir de semaine. C'est un homme de race blanche, manifestement, qui, visiblement, est un sportif. Et il a les cheveux coiffés vers l'arrière, assez courts et légèrement ondulés sur le dessus. C'est une piste sérieuse. Géraldine Martinasso semble être la dernière à avoir vu Evelyne vivante. Les policiers la pressent de questions, notamment sur la voiture. Ce que je peux dire, c'est que c'était une petite voiture du genre R5, enfin vraiment la petite voiture de l'époque, évidemment, et de couleur plutôt claire. Evelyne Boucher connaissait-elle quelqu'un qui avait une Renault 5
ou qui ressemblait à l'homme décrit par Géraldine. Les policiers interrogent sa famille, ses copains, ses copines. Ça ne donne rien. Alors Evelyne était-elle du genre à suivre un inconnu ? Evelyne était incapable de suivre quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est pas possible que d'elle-même, elle monte dans une voiture. Elle était à 200 mètres de chez elle, donc c'est impossible qu'elle monte dans une voiture de quelqu'un qu'elle connaissait pas. C'est impossible. Gisèle Cronier, la maman que vous êtes, va mener une enquête quasi parallèle à celle de la police, avec une obsession, c'est cette voiture. C'est quasiment la seule piste, alors, cette R5. Écoutez, moi, je relève les numéros d'immatriculation des véhicules que je vois dans mon lotissement. Et c'est vrai que je mène en parallèle une enquête. En fait, je suis un peu l'aiguillon des enquêteurs et du juge d'instruction. Et tout ça, vous le livrez aux policiers ? Oui, à chaque fois, je demande un rendez-vous. Donc, je vais voir la police, je fais la démarche, je leur téléphone pour leur donner des numéros d'immatriculation de véhicules. Je demande des rendez-vous auprès du juge d'instruction. Je ne pouvais pas laisser un assassin en liberté, ce n'est pas possible. Et j'ai la chance d'avoir un juge d'instruction qui suit à chaque fois mes demandes. Évidemment, vous placardez des affiches. Oui, on fait des demandes, on fait une offre de récompense. On va jusqu'à offrir 200 000 francs à toute personne qui pourrait nous indiquer. 30 000 euros. Oui, oui, quelqu'un qui pourrait nous indiquer quelque chose. Je me dis toujours, j'ai toujours pensé que quelqu'un savait quelque chose. Je me suis dit, le soir, l'assassin est rentré chez lui. Il a certainement vu, il était marié, pas marié, il y avait quelqu'un chez lui. On a dû voir qu'il avait un visage qui n'était pas normal. Tout ça, les affiches, votre propre enquête, la récompense que vous offrez, ça donne quoi ? Ça donne rien. Rien. Si ce n'est que des médiums, des gens qui me téléphonent ou qui m'écrivent pour me dire qu'ils savent qui est l'assassin et puis en fait, ils ne savent rien du tout. Malgré tout, vous gardez espoir d'arriver à identifier le meurtrier à ce moment-là ? Oui. J'ai toujours cru, jamais baissé les bras. Quelques jours après la disparition d'Evelyne Boucher, un nouvel indice vient relancer l'enquête. Evelyne était copine avec un voisin et en passant à pied, il a vu une boucle d'oreille par terre, il a vu que c'était celle d'Evelyne. Alors il a averti la famille qui sont venus nous avertir. La boucle d'oreille est retrouvée au niveau des premières maisons du lotissement, pas loin de chez elle. C'est peut-être là qu'elle a rencontré son agresseur, là qu'elle est montée dans cette voiture, de gré ou de force. Et si son assassin habitait lui aussi le quartier ? On emploie le système de l'escargot, c'est-à-dire on vérifie tout à côté, et puis après on s'éloigne. Tout le monde était suspect. Pour nous, l'assassin pouvait être quelqu'un qui connaissait notre lotissement. Parce que même à l'heure actuelle, nos amis, quand ils viennent nous voir, ils se perdent. Et parmi les habitants du lotissement, l'un d'entre eux fait tout de suite figure de suspect numéro un. C'est un voisin d'Evelyne. Il y en a un qui avait été condamné pour une affaire de meurtre. C'est-à-dire, lui, il a été entendu à garde à vue, vérification et tout. C'est un routier. Il y a eu un petit litige concernant son disque. Donc on l'a soupçonné. Le disque, c'est le mouchard des routiers. Il enregistre les temps de conduite. Le chauffeur jure que le jour des faits, il était à l'autre bout de la France. Le problème, c'est que son disque ne le confirme pas. Mais le juge a un autre moyen de savoir si le chauffeur est dans le coup. Alors Dominique Rizet, racontez-nous comment les policiers vont s'y prendre pour vérifier l'alibi bancal de ce chauffeur routier. Eh bien, ils vont travailler grâce à la science, Christophe. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé dans le vagin de la jeune victime, Evelyne, du sperme. Or, à l'époque, en 1987, on ne sait pas encore procéder à des expertises ADN. En revanche, on peut parfois déterminer un groupe sanguin à partir du sperme. Il n'y a pas de sang dans le sperme. Il n'y a pas de sang dans le sperme, mais on y trouve quelquefois des indications sur le groupe sanguin. Je m'explique. 80% des hommes sécrètent dans leur sperme, leur sueur ou leur salive
un marqueur. Scientifiquement, on dit un antigène. Et cet antigène, c'est la signature de leur groupe sanguin. Alors évidemment, ça n'est pas aussi précis qu'un ADN. En revanche, c'est une indication précieuse. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire, tiens, le violeur, il était du groupe A, et notre suspect, il est du groupe A. C'est intéressant. On resserre autour du suspect. À l'inverse, on peut dire, le violeur, il est du groupe A, notre suspect, il est du groupe B, ça va permettre de le mettre hors de cause. Alors, le chauffeur routier ? Ben heureusement pour lui, il est d'un groupe sanguin différent de celui du violeur. Alors ça va permettre de le mettre hors de cause, il n'empêche qu'il a senti passer le vent du boulet. C'est vraiment passé tout près. Pour les policiers, ça veut dire on recommence tout à zéro, on replonge dans les fichiers, on va recommencer à établir une liste de noms à partir des détraqués sexuels de la région, nouvelles auditions, nouvelles vérifications des emplois du temps des uns et des autres, on vérifie les alibis, on vérifie les groupes sanguins, et au final, eh bien, on n'a plus aucun suspect, on n'a plus aucun nom, aucune piste. Les policiers n'ont pas retrouvé l'arme du crime, mais ils espèrent que la balle extraite du crâne d'Evelyne lors de l'autopsie va parler. L'expertise balistique montre 3 mois plus tard qu'Evelyne a été achevée d'une balle de 22 longs rifles. Le projectile qu'on découvre dans le corps de la victime est comparé avec toutes les armes qui sont trouvées chez les habitants du lotissement ou les armes qu'on va ensuite trouver lorsqu'on va élargir au-delà du lotissement les recherches classiques en matière criminelle auprès d'individus suspects possesseurs d'armes à feu. Le problème, c'est que le 22 long rifle est un calibre très répandu qui peut correspondre à la fois à une carabine, à un revolver et même à un pistolet d'alarme transformé. On cherche une aiguille dans une botte de foin. J'ai relevé toutes les armes qui étaient déclarées. Je suis passé chez tous les possesseurs pour me la faire présenter. Pour s'il y en a un qui m'avait dit qu'il avait perdu, alors il aurait eu droit à 48 heures. Mais ça ne donne rien. L'enquête s'enlise. Et les années passent. Jusqu'en février 93, plus de 5 ans après la mort d'Evelyne, un nouveau témoignage vient relancer l'enquête. Un jeune garçon, qui était un garçonnet à l'époque, avait été suffisamment frappé. Il avait assisté à une scène inquiétante devant le gymnase où chaque mardi, Evelyne Bouchet se rendait pour des cours de gymnastique. Une scène inquiétante qui s'est déroulée une semaine seulement avant la mort d'Evelyne. Il aurait vu Evelyne suivie par un véhicule et deux hommes à bord qui discutaient avec elle assez violemment et selon lui, qui essayait de faire en sorte qu'elle monte dans ce véhicule. Et le véhicule en question ressemblait à une Renault 5. Ça fait 2 fois qu'on leur parle de cette voiture. Les policiers font leur maximum pour l'identifier. Ça ne donne rien, on ne trouve jamais cette voiture. On fait des recherches à n'en plus finir en préfecture. On vérifie toutes les Renault 5 de couleur claire. C'est un travail phénoménal au niveau policier. Le 29 novembre 1993, la mère, Gisèle, tente le tout pour le tout. Elle participe à l'émission de Jacques Pradel, témoin numéro 1. Vous, madame, la mère d'Evelyne, si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il y a une chose que vous n'acceptez pas, c'est que l'assassin soit toujours en liberté. Exactement. Je pense qu'on retrouvera la paix que le jour où l'assassin sera arrêté. Alors, madame Cronier, qu'est-ce qui vous amène à aller vous asseoir sur le plateau de témoin numéro 1 un jour sur TF1 c'est l'émission de la dernière chance. On est 6 ans hein, après les faits. Tout à fait, oui. Oui. Donc l'enquête jusque-là n'a rien donné. Et là, je me dis que je vais m'adresser donc à beaucoup de monde et que j'espère que quelqu'un qui peut peut-être savoir quelque chose au bout de ces 6 années, peut éventuellement parler. Quelle répercussion a cette émission sur l'enquête ? Est-ce qu'on apprend des choses ? Est-ce que vous apprenez des choses ?
Non, la même chose que la récompense, c'est-à-dire que malheureusement, des témoignages sont faits par téléphone, sont vérifiés après par l'émission et par la police, mais ça ne donne rien non plus. Vous continuez pendant ce temps-là votre enquête, elle ne s'arrête jamais ? Elle ne s'arrête jamais. Vous savez qu'à un moment donné, une enquête qui ne bouge plus, on doit refermer le dossier. On vous a expliqué ce risque de prescription. Oui, oui. C'est pour ça que, avec Maître Gardien, mon avocat, nous faisons des demandes d'actes. Plus on fait d'actes, plus le délai est repoussé. C'est ça. Et c'est dans votre stratégie, ça. Tout à fait. Pour que ça ne soit jamais refermé. Et pourtant, ça fait 6 ans qu'on cherche l'assassin d'Evelyne. Et difficile de croire qu'on le trouvera un jour. Moi, j'y croyais plus. Gisèle y croyait toujours. Moi, j'y croyais plus. Mais il y avait quelque chose qui me disait « continuons ». Mais je ne croyais plus parce que le temps faisait son œuvre. Hein. C'est déjà difficile de trouver un assassin dans les mois qui suivent. Alors des années passant, il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Voilà. Et le miracle aura lieu grâce au progrès de la science. En 1993, la police scientifique est capable de mettre en évidence l'ADN du violeur à partir du sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne. Alors, les policiers reprennent la liste de tous leurs suspects depuis le début pour comparer leur ADN à celui de l'assassin. Tout le monde y passe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, sauf à quitter l'objectivité, de mettre de côté des personnes. Et ce sont le propre beau-père, le propre père d'Evelyne Boucher, qui sont également vérifiés, et de nombreuses personnes du voisinage. Deux fois, je suis passé à l'ADN. Mais moi, je passerai 18 fois, si vous voulez. Plus d'une soixantaine de comparaisons ADN sont effectuées. On avait parfois des personnes qui nous donnaient des informations en disant je sais telle et telle chose, je pense que c'est telle personne. Par voie de conséquence, systématiquement, on demandait au magistrat instructeur de vérifier l'ADN de cette personne. Ça n'aboutissait pas. Et les policiers en viennent à se demander si l'assassin d'Evelyne n'est pas mort entre-temps. Et ils pensent à Roberto Succo, le tueur fou qui violait ou tuait au hasard de ses rencontres. Il y avait plusieurs éléments très troublants. Il était de passage dans la région, très exactement au moment où les faits étaient commis vis-à-vis d'Evelyne Boucher. Et on savait surtout qu'Roberto Succo, au mois d'octobre 1987, avait agressé sauvagement, en la kidnappant dans un premier temps, une jeune femme en Savoie ou en Haute-Savoie qu'il avait violée et tuée. Et surtout, on savait que Roberto Succo avait utilisé pour tuer en France et en Europe de nombreuses personnes des armes à feu, dont l'une qui pouvait être compatible avec celle utilisée par l'agresseur d'Evelyne Boucher. Mais Roberto Succo s'est suicidé en Italie, 4 mois après la mort d'Evelyne Boucher. Au cas où, le juge ordonne une comparaison ADN avec son cadavre. On est allé jusqu'à nous transporter en Italie pour exhumer près de Venise, à Mestre, le corps de Roberto Succo, afin de faire un prélèvement d'un os de son squelette pour en extraire l'ADN. Le résultat de la comparaison ADN tombe, il est négatif. Roberto Succo n'est pas le violeur et l'assassin d'Evelyne Boucher. Le temps passe de plus en plus et on commence quand même à être non pas désespéré, mais à se dire que la vérité qui nous semblait pouvoir toucher du doigt
dans les heures qui ont suivi la découverte de ce crime, cette vérité s'estompait. Le juge Lernoux s'est beaucoup investi dans cette affaire. Ça fait 15 ans qu'il espère livrer à la maman, Gisèle Cronier, le nom de l'assassin de sa fille. Il a tout fait pour que l'affaire ne soit pas classée, pour que le dossier vive, ce qui retarde la prescription. Mais il doit être muté. Alors avant de partir, il abat une dernière carte. Car entre-temps, le juge dispose d'un nouvel outil et il va s'en servir. Le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, vient d'être créé. Le FNAEG, c'est un fichier qui va nous permettre d'identifier des traces biologiques laissées sur les scènes d'infraction et les rapprocher d'un auteur éventuel d'infraction. À cette époque, le FNAEG conserve les empreintes génétiques anonymes relevées sur les lieux de crime, ainsi que l'ADN des délinquants et des criminels sexuels déjà condamnés. Mais plusieurs lois vont étendre son champ d'application. On a décidé effectivement d'étendre le périmètre du fichier et d'y inclure la délinquance générale, hein, et ce qui est actuellement effectivement le cas, puisque pratiquement tous les crimes et les délits sont concernés par le FNAEG. En mai 2002, le juge Lernoux transmet au FNAEG l'empreinte génétique du sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne Boucher. Je suis dubitatif sur la chance de tomber dans le mille. En même temps, j'ai l'absolue certitude qu'il faut verser notre résultat biologique au fichier national des empreintes génétiques. C'est évident. C'est évident. Il ne faut jamais oublier, en dépit du temps passé, le facteur chance dans un dossier criminel. Pendant que le FNAEG compare l'ADN de l'agresseur d'Evelyne Boucher avec celui de dizaines de milliers de personnes, une nouvelle juge d'instruction est nommée qui remplace Christian Lernoux. Elle reprend tout à zéro. Et voyant qu'il n'y a malheureusement rien de plus à faire dans ce dossier, elle envisage de le clore. Comment la maman réagit-elle quand elle apprend que le nouveau juge d'instruction en charge du dossier du meurtre de votre fille est sur le point de refermer le dossier ? Eh bien, donc, M. Lernoux me fait part de sa mutation, de son départ. De là, nouveau juge d'instruction est nommé. Et là, je demande un rendez-vous. Et la personne m'explique que tout a été fait, qu'elle ne voit pas l'intérêt de garder le dossier ouvert. Donc là, pendant une heure et demie, j'essaie de la convaincre de continuer à ce que le dossier reste ouvert, dans la mesure où c'est pas possible qu'elle me fasse une chose pareille, qu'on s'est battu pendant 15 ans, que pour la mémoire de ma fille, on ne peut pas laisser un assassin en liberté et qu'il faut absolument continuer à ce que le dossier reste ouvert. Vous lui parlez évidemment du fichier, elle sait qu'une demande a été faite auprès du fichier des empreintes génétiques, elle y croit, elle ? Elle y croit, elle y croit. Donc elle se range à vos arguments ? Oui, et elle accepte. Et donc de là, une huitaine de jours après, je lui fais une demande d'acte de nouveau sur des prélèvements ADN. Toujours pour entretenir ce dossier ? Oui, toujours. Comment est-ce qu'on trouve la force, 15 ans après, d'être toujours comme ça, en marche ? La force, c'est ma fille, c'est ma chair, c'est... Je peux pas... si vous voulez, je suis obligée... Je suis partie dans un combat où je suis obligée d'arriver... Je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Et pour moi, j'y ai toujours cru et je sais qu'un jour ça... Il n'y a pas eu de moment de doute ? Et puis, au moment où vous avez dit, ça ne la fera pas revenir, au fond. Ah non, ça ne la fera pas revenir, mais je ne pouvais pas laisser ce crime impuni. On est maintenant en 2006. Le meurtre d'Evelyne a eu lieu il y a 19 ans, et franchement, les chances de retrouver son assassin sont de plus en plus minces. Les policiers, les juges désespèrent. Quand un événement incroyable vient relancer l'enquête, c'est une simple bagarre qui a eu lieu 3 ans plus tôt. Une bagarre au pont du Gard. Ce jour-là, le 16 mai 2003, Robert Greiner et sa famille tournent depuis un moment dans le parking. Sa femme a perdu le ticket d'entrée et il ne trouve pas l'agent de sécurité pour lui expliquer la situation.
on s'est avancé vers la caisse. Mon beau-frère a passé le premier et on a profité que la barrière se lève pour passer en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'un agent est intervenu en nous disant qu'on n'avait pas respecté. Il a pris de très haut. La situation a complètement dégénéré, c'est-à-dire que c'est parti en bagarre. Robert Grenner, son frère, son neveu, les vigiles, c'est la bagarre générale. La suite, 3 mois de prison avec sursis et une amende pour Robert Grenner. Et comme désormais les auteurs de violences doivent être fichés, le parquet de Nîmes envoie une convocation à Robert Grenner pour recueillir son ADN. Et M. Grenner a été très réticent à ces prélèvements, à savoir qu'il a été convoqué à plusieurs reprises par les gendarmes en charge du dossier du prélèvement. Les gendarmes sont venus sur place, il a refusé les prélèvements. Et enfin, bon, au bout de quelques temps, il a été forcé en 2005 de donner son ADN. M. Grenner ne va pas s'y rendre spontanément parce qu'il n'a pas vraiment compris pourquoi on lui demandait ce prélèvement. Ben là, c'est vécu pour lui comme du harcèlement, tout simplement, parce qu'il s'est dit, mais mon Dieu, pour une bagarre, on me prend pour un criminel. Et j'interviens moi-même pour le rassurer en lui disant, écoute, si tu n'as rien à te reprocher, prête-toi à ce test. Robert Grenner finit par faire le test, qui est automatiquement archivé et comparé avec toutes les fiches du FNAEG. Et l'ordinateur match. Cet ADN, le fichier l'a déjà enregistré. C'est celui qui a été retrouvé sur une jeune femme assassinée en 87, Evelyne Boucher. Le 19 juin 2006, le téléphone sonne chez la nouvelle juge d'instruction et plus tard, chez les parents d'Evelyne. Je réponds, c'est Gisèle qui m'annonce tout de go. Jean-Pierre, on a trouvé l'assassin d'Evelyne. Eh bien, écoutez, moi j'étais. Ça m'a tellement coupé les jambes, ça m'a mis un choc. La magistrate prévient également son prédécesseur, le juge Lernoux. Elle sait combien cette affaire a compté pour lui. J'ai une réaction de soulagement inouï et de très grande émotion. Il s'est écoulé 19 ans depuis les faits. Et je vous cache pas que c'est un des moments les plus émouvants de ma carrière, c'est évident. Mais Robert Grenner n'est pas interpellé tout de suite. Il ne sait pas qu'il est dans le collimateur des policiers qui enquêtent sur lui discrètement. Robert Grenner est né en septembre 1952 à Folchwiller, en Lorraine. Il a fait toute sa jeunesse en Lorraine, dans une famille où ils sont 4 frères, dont lui est le second. Il avait des parents très aimants, stricts, bien entendu, parce qu'ils avaient 4 garçons à élever. Le papa faisait un travail difficile, il était mineur de fond, et il les a élevés dans le respect des valeurs. Robert Grenner a fait toute sa scolarité à Folchwiller. Mais à 14 ans, il a arrêté l'école sans diplôme. Ensuite, il a suivi une formation pour devenir menuisier avant de rejoindre son père dans les mines de charbon en Allemagne. Au bout d'un an et demi, il est parti pour l'armée. Monsieur Grenner va effectuer son service militaire dans l'Est et dans le cadre de ses permissions, il va rencontrer une jeune femme. Ils vont tomber amoureux et ils vont décider, puisque cette jeune femme est originaire du Sud, de venir vivre à Villeneuve-les-Avignon. Ils vont s'installer ensemble et ils vont rapidement avoir un enfant. Robert Grenner se trouve un petit boulot de menuisier. Il est aussi pompier volontaire à la caserne de Villeneuve-les-Avignon. C'est son oncle qui lui a transmis cette vocation. Il veut même devenir pompier professionnel. Il passe le concours en 1981 et intègre le corps des sapeurs-pompiers d'Avignon. Robert Grenner, oui, moi j'ai travaillé avec lui. C'était quelqu'un qui... Oui, c'était un bon pompier. Rien à lui reprocher, je veux dire.
Et en cas de coup dur, oui, moi, je sais que j'aurais pu compter sur lui. Ça, c'est évident, quoi. C'est sûr. En 1982, alors qu'il est à la piscine pour des exercices de sauvetage, il rencontre une jeune fille, une lycéenne, qui va bouleverser sa vie. J'ai rencontré mon mari très jeune, à l'âge de 16 ans. J'ai fait sa connaissance et nous avons vraiment noué une relation à partir de l'âge de 17 ans. Et par la suite, comme il n'était pas libre et moi je n'étais pas majeure, nous nous sommes mis en ménage lorsque j'ai eu 18 ans. Robert Grener divorce et épouse cette lycéenne quelques années plus tard. En 1989, elle devient la mère de son second enfant, encore un fils. Robert Grener est un père attentionné et un mari fidèle. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Tout au cours de l'enquête, en fait, la personnalité de M. Grener peu à peu s'est dessinée. M. Grener nous est décrit comme une personne qui, avec un grand côté séducteur, un homme qui veut plaire, qui veut séduire, qui est très penché sur le sexe et qui, dès lors qu'il rencontre une personne, n'a qu'une idée en tête, c'est la séduire et la mener dans son lit. Le problème de Robert Grener, c'est que pour lui, une femme, c'était un objectif, c'était une target, donc une cible. Voilà. Donc pour lui, tout était bon. Une jeune, une vieille, une femme libre, une femme mariée. Enfin, à partir du moment où c'était une femme, il n'y avait pas de problème. Il était un petit peu coureur de jupons, ça, voilà, mais quel mal à ça. C'est la nature humaine. Plus il avait le physique, je veux dire, c'était. Après, c'est un caractère. Robert Grener est un homme à femme, mais pas seulement. Il commençait à boire vers 9-10 heures du blanc, de la bière, et puis à 11 heures, c'était l'apéritif. Ensuite, le repas, évidemment, arrosé. Après, l'après-midi, des fois, certains étaient fatigués, donc ils allaient faire une petite sieste. Et puis quand il se réveillait, il recommençait l'apéritif parce que c'était à nouveau l'heure. Il aimait faire la fête, faire l'apéritif. C'était quelqu'un qui aimait imposer sa personne. Le problème, c'est que Robert Grener avait l'alcool mauvais. Le soir, peut-être un peu d'habitude, il était énervé. Il était allé dans la chambre de son meilleur copain. Et il avait saccagé le mobilier, cassé le lit, l'armoire. Donc le lendemain, il n'y a pas eu de suite, mais l'officier de garde lui a fait réparer les meubles puisqu'il était menuisier à l'origine. Un fêtard qui avait des amis et quelques ennemis. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Je connais des tas de gens qui n'ont jamais eu de problème avec lui. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faisait pas dans la dentelle, quoi. C'était pas un poète, hein, mais voilà, c'était un mec normal. Tout à fait normal. C'était quelqu'un un petit peu, comme on dit chez nous, en grande bouche. Il aimait dominer, je pense. Il faisait peur un petit peu à beaucoup de monde, mais moi, au début, à moi-même, hein, je n'ai pas honte de le dire. Un homme à femme qui devenait violent sous l'emprise de l'alcool, ça colle. Mais les policiers ne peuvent pas s'en tenir à ces histoires scabreuses. Même si on a retrouvé son ADN sur le corps d'Evelyne Boucher, l'idéal serait une preuve supplémentaire. On a fait des recherches parmi les pompiers du centre de secours d'Avignon et on s'est aperçu qu'un pompier habitait à proximité du domicile de la maman d'Evelyne Boucher. Ce pompier était l'un des meilleurs amis de Grener, le témoin de son mariage. Il habitait à quelques mètres de chez Evelyne Boucher. Et à l'époque, le fils aîné de Robert Grener était au collège du Mourion, le collège où Evelyne donnait ses cours de gymnastique. Et ça n'est pas tout. Rapidement, on se rend compte que M. Grener travaillait dans une caserne, détachée de la caserne d'Avignon, qui se trouvait rue Carreterie et qui était toute proche du lycée où était scolarisée Evelyne Boucher. Ça nous laissait de suite supposer que M. Grener aurait pu repérer Evelyne à la sortie de son lycée.
s'aperçoit également que l'épouse actuelle de Robert Grener, qu'il a rencontré aussi d'ailleurs à 16 ans, ce qui nous étonne, était scolarisée dans le même lycée que celui où était Evelyne Boucher. Les policiers convoquent Géraldine Martinasso, l'adolescente qui avait vu passer Evelyne dans une voiture le soir du crime. Ils lui présentent des photos de Robert Grener, parmi d'autres. En tout, il y avait 3 hommes différents. Et sur les 3 hommes différents, immédiatement, alors que je ne le connaissais pas du tout, la photographie de Robert Grener m'a vraiment interpellée. Alors bien évidemment, je ne peux pas le reconnaître formellement, mais pour moi, la ressemblance est sérieuse. Maintenant qu'ils ont des billes, les policiers passent à l'action. Le 19 juin 2006, à 6h30 du matin, ils interpellent Robert Grener. Il savait quand même que son ADN avait été prélevé, puisque bon, il avait refusé d'aller à la gendarmerie de Sorgue malgré plusieurs convocations. Donc on avait peur qu'il passe à l'acte en se suicidant. Et donc on a préféré l'interpeller à l'extérieur du domicile. Les policiers attendent donc qu'il arrive au bout du chemin. Grener se laisse arrêter. Il ne manifeste aucune résistance. Sa garde à vue lui est notifiée, puis tout le monde fait demi-tour pour aller perquisitionner sa maison. Monsieur Grener, en fait, est très calme et ne pose aucune question. Il ne semble pas étonné et ne montre pas de vindication, quelle qu'elle soit. Sa femme, elle, ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Sa femme nous a remis sur le tapis l'histoire du pont du Gard en disant que c'était un harcèlement de la justice et de la police. Et donc, on lui a fait lire l'intitulé de la commission rogatoire. Ils ont prononcé le mot d'homicide et viol. Je crois avoir retenu le mot de viol, mais homicide, j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. J'étais vraiment abasourdie. Les policiers fouillent la maison. Ils ne trouvent rien. Pas d'arme à feu, pas de coupure de presse sur l'affaire, rien qui puisse les rapprocher d'Evelyne Boucher. Après 20 ans, il était certain que nous aurions de grandes difficultés à trouver ce tel type d'éléments, et d'autant plus qu'entre le moment des faits et le jour de l'interpellation, M. Grener avait déménagé. Les policiers embarquent Grener, direction la nouvelle caserne des pompiers. Donc nous allons également au centre de secours d'Avignon afin de faire une perquisition dans son casier feu. Là pareil, il est un petit peu rebelle, il montre les menottes aux autres pompiers en disant « Regardez ce qu'on me fait, je suis innocent ». Il se victimise un peu. Alors donc on est un peu surpris parce qu'on pensait qu'il allait plutôt faire mine basse et là, il roule un peu les mécaniques. Lorsqu'il est passé devant nous, il avait un sourire. Il avait un petit peu un sourire ironique, mais après, on ne sait rien de ce qui s'est passé en caserne. Dans son casier, rien d'intéressant pour l'enquête. Grener est alors conduit dans les locaux de la police judiciaire d'Avignon. Dès son arrivée, je procède moi-même à ses premières auditions. Monsieur Grener reste toujours, on va dire, hautain, droit, fier. À aucun moment, il s'est énervé en disant « Je n'ai rien à faire là, je ne veux pas répondre à vos questions. » Au départ, les policiers lui parlent de choses et d'autres, histoire de le mettre en confiance et de jauger ses réactions. Tant que nous n'abordons pas la vie privée, Monsieur Grener répond assez aisément à nos questions, sans en dire plus, il n'est pas forcément bavard, mais il répond clairement à nos questions, sans montrer aucune réticence. Dès lors que le nom d'Evelyne Boucher est prononcé, Monsieur Grener se bloque et nie absolument tout. Il nie de suite connaître Evelyne Boucher. D'ailleurs, il dit même ne jamais avoir entendu ce nom et ce prénom-là, n'avoir jamais entendu parler de cette affaire qui pourtant était très médiatisée. Et il nie vraiment tout en bloc. Monsieur Grener, à ce moment-là, se ferme un peu comme une huître. Et même les évidences, en fait, il les repousse. Quand on lui parle de l'année 87, il ne se souvient plus de rien. Je lui ai cité des affaires qui ont été très médiatiques en Provence, notamment
l'affaire de la super mamie. Je lui dis simplement, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire de la super mamie? Il me dit, oui, je sais, et il me parle de l'affaire en elle-même. Ensuite, je lui cite juste un prénom chez nous, qui est le prénom de Romain, qui est une affaire qui a été très médiatique également. Et là, de suite, M. Grener me dit, oui, j'ai entendu parler de cette affaire, et nous en donne les détails. Mais bizarrement, sur Evelyne Boucher, rien. Jamais. Et quand les policiers lui disent qu'on a retrouvé son ADN sur le corps de la victime, il ne se laisse pas démonter. Il dit que ça ne peut pas être son ADN, qu'il y a une erreur, qu'elle ne sait pas à quel niveau a pu être commise cette erreur, si c'est au niveau du laboratoire, si c'est au niveau des prélèvements, mais en tous les cas, son évidence à lui et ses déclarations, c'est qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Malgré ses dénégations, à l'issue de sa garde à vue, il est transféré au palais de justice de Nîmes et mis en examen pour le viol et le meurtre d'Evelyne Boucher. Maître Gontard, vous êtes l'avocat de Robert Grener. Vous le voyez, après sa garde à vue, dans quel état est-il ? C'est quelqu'un qui d'abord ne comprend pas, parce qu'il a été arrêté 48 heures avant, à 6 heures du matin, à la sortie de son domicile. Et on lui dit, dans le cadre de la garde à vue, vous avez tué quelqu'un il y a 18 ans. Il est stupéfait, il est abattu, et il ne croit pas, pendant toute cette période de la garde à vue, qu'il peut être présenté à un juge. Vous lui conseillez quoi, vous ? Je lui dis, gardez le silence. Laissez-moi prendre connaissance du dossier, et puis lorsque j'aurai connaissance du dossier, je pourrai vous dire ce qui peut éventuellement être retenu contre vous. Bon, ce qui pèse lourd dans le dossier, c'est évidemment l'ADN. Sur quelle base est-ce qu'à l'époque, parce que vous pensez à l'époque qu'on peut contester l'élément ADN ? Alors, aujourd'hui, l'ADN, bien qu'il soit contestable, est difficilement contestable. En revanche, l'interrogation que l'on a, c'est l'interrogation des conditions de recueillement de l'ADN 18 ans avant. Parce que la jeune fille est découverte par des chasseurs, les polices secours arrivent, les pompiers arrivent, et le recueillement de l'échantillon se fera beaucoup plus tard à la morgue, à l'Institut médico-légal à Montpellier. Donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas forcément le résultat de l'ADN, c'est prioritairement les conditions dans lesquelles l'échantillon a été découvert et recueilli. Gardez le silence, lui avait dit son avocat. Le problème, c'est qu'avant d'arriver chez le juge, Grener a discuté avec le policier chargé de son escorte. Les deux hommes ont sympathisé et Grener lui a fait des confidences. Spontanément, il se livre à l'enquêteur qui l'accompagne et il dit que finalement, il connaissait bien Evelyne Boucher et il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec Evelyne, chose qu'il n'avait jamais dite au préalable au cours de sa garde à vue. Il a effectivement dit à un collègue de l'escorte qui connaissait Evelyne Boucher, qu'il avait rencontré en septembre 1987 devant la caserne des pompiers de la rue de la Carreterie, qui était proche du lycée Aubanel, qu'effectivement, elle lui avait donné rendez-vous à Villeneuve-les-Avignon, qu'il l'avait prise dans le véhicule. Ils étaient allés dans un endroit isolé sur un parking, qu'il avait eu des relations sexuelles, et qu'à l'issue, il avait ramené à son domicile. Et s'il n'a rien dit jusqu'ici, c'est parce qu'il avait peur. Évidemment, quand il a vu tout le déchaînement médiatique, il ne s'était pas dénoncé. Enfin, il n'avait pas dit qu'il la connaissait parce qu'il avait peur qu'on lui mette ce meurtre sur le dos. Mais une fois arrivé devant le juge d'instruction, Robert Grener fait marche arrière. Non, il n'a rien dit aux policiers, il ne connaît pas Evelyne Boucher, il n'a même jamais entendu parler d'elle. C'est en prison que Grener va refaire des confidences à deux surveillants. Alors là, Dominique Rizet, Grener va parler, il va se confier à deux surveillants de prison. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Le 21 juin, Grener arrive en prison.
Et la case départ de la prison, c'est... C'est le quartier Rivon. Voilà, c'est ici qu'on reçoit les nouveaux. Alors, c'est une espèce de sas de décompression, d'adaptation à la prison, avec des surveillants de l'administration pénitentiaire qui font un travail très particulier. C'est un métier dans le métier. Et il parle avec Grener, il lui pose des questions sur son parcours, sa famille, est-ce qu'il va recevoir des visites, est-ce qu'il a envie d'avoir des parloirs, est-ce qu'il a envie de suivre un stage informatique, quelle est sa religion, etc., etc. Et il y a une relation de confiance qui s'installe. Grener, quand il arrive, il est dépressif. Donc on va le surveiller comme le lait sur le feu. Et un jour, il parle avec un capitaine de l'administration pénitentiaire et Grener lui dit « Je suis ici, mais je suis innocent ». Le fonctionnaire a lu la presse, il lui dit « Mais pourtant, on a retrouvé votre ADN ». Et Grener lui dit « J'ai eu avec elle une relation consentie, c'était pas un viol ». Et ensuite, elle est repartie et je l'ai jamais revue. Et ça, le surveillant, il peut pas le garder pour lui. On lui demande de faire un rapport. C'est important, c'est la première fois qu'il fait un rapport, ce garçon-là. Il fait un rapport, rapport transmis au juge, et le juge réunit tout le monde. Grener, ses deux avocats et le surveillant. Et là, Grener fait marche arrière toute. Et dit « Non, moi j'ai jamais dit ça. J'ai dit à ce monsieur, au surveillant, que j'étais innocent, que je n'avais jamais eu de relation sexuelle avec cette personne et que je ne l'avais jamais rencontrée. » Le problème, c'est que 5 jours plus tard, un autre surveillant, toujours du quartier arrivant, va remplir le même rapport qu'il va remettre à sa hiérarchie. Et à lui aussi, Grener a dit « Je suis innocent, je ne l'ai pas tué. J'ai juste eu une relation avec cette fille. Nous étions d'accord tous les deux, mais c'est tout. » Et il se retrouve chez le juge d'instruction pour une confrontation. Grener nie. Et encore une fois, il fait marche arrière en disant « Non, j'ai jamais dit ça. Ce surveillant a mal compris. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas violé. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle. » Les policiers continuent d'enquêter sur la vie de Robert Grener pour étoffer leur dossier. Ils ne vont pas être déçus. Le 6 juillet 2006... 2 semaines après l'arrestation de Grener, ils reçoivent une lettre anonyme. Cette lettre nous indique qu'il y aurait une personne surnommée Cricri, qu'il faudrait entendre, qui aurait des choses à nous dire et qui aurait subi des sévices de M. Grener. Cette lettre fait état que M. Grener serait mêlé à des partouzes qui auraient lieu dans la caserne d'Avignon. Les policiers retrouvent Cricri. Elle s'appelle en réalité Christiane. C'est une femme de 48 ans. Handicapé mental. Cricri connaît bien M. Grener, est amenée régulièrement à la caserne où elle rencontre M. Grener, où elle a des relations sexuelles avec lui qui sont plus ou moins voulues, mais tout de moins très violentes en tous les cas. Que M. Grener lui enfonce des bouteilles dans le vagin, dans l'anus, qu'il la prête à ses amis, qu'il a fait circuler dans la caserne, qu'il regarde les relations qui ont lieu avec ses camarades. C'est quasiment des actes de torture. On va dire que c'est un jouet sexuel. Elle nous raconte que une fois pareil, elle est passée dans le gymnase et quasiment ils sont tous passés, elle était toute nue et ils lui ont tous mis une fessée. Enfin, c'est vraiment, ils jouaient avec elle comme ils pourraient jouer avec une poupée gonflable. Et Cricri raconte que Robert Grener est allé encore plus loin. Un soir, il avait jeté par la fenêtre, enfin, il avait fait passer de force par la fenêtre, toute nue. Et donc, moi, ayant un bureau de l'amicale un peu plus loin, je l'ai récupéré sur la terrasse. C'était au mois de juillet, au mois d'août, et elle avait les jambes qui saignaient. Je lui ai mis un t-shirt que je venais de faire pour les sapeurs-pompiers. Et je l'ai fait passer dans le bureau en lui mettant une chaise et je l'ai remis à un sous-officier de permanence. Le problème, c'est que ces faits sont anciens et donc prescrits. Il faut savoir aussi que la personne prénommée Cricri n'a même pas, elle, conscience du fait qu'elle a été une victime. Elle aimait bien M. Grener, mais pour elle, elle dit simplement « Il me faisait l'amour, mais des fois, je ne voulais pas, mais il me le faisait quand même. » Je crois que Cricri n'avait même pas conscience, en fait, qu'elle a été violée à plusieurs reprises. Pour elle, un pompier ne pouvait pas faire du mal. Donc, elle était contente d'avoir des relations avec Robert Grener.
les tournantes ont été confirmées par les pompiers eux-mêmes et était le fait d'un nombre réduit quand même de pompiers, d'un petit groupe, d'un petit comité qui se connaissait bien, qui était bien amis. Ce n'était pas le fait de toute une caserne, mais plutôt, on va dire, d'une équipe. La hiérarchie était surprise. Ils ont effectivement reconnu qu'il y avait des problèmes d'alcool à l'époque des faits, mais visiblement, ce qui se passait réellement au niveau des femmes, ils ont été surpris. Ces révélations font la une de la presse locale. Nous, on décide de sortir ce qui se passait à la caserne. Il y a ce courrier qui arrive, il dit ça, il implique Robert Grener, ça éclaire sa personnalité à un moment donné. Et donc on livre cet article qui a un fort retentissement dans la ville. Ces nouveaux éléments donnent encore un éclairage nouveau sur le dossier et montrent en fait la violence que peut avoir M. Grener par rapport au sexe, par rapport à l'alcool aussi, parce qu'il faut savoir que toutes ces relations un peu violentes et sexuelles qui ont lieu dans la caserne sont faites sous le coup de l'alcool. Et cette violence nous laisse penser en fait que M. Grener a bien pu commettre les faits qui lui sont reprochés et sont à rapprocher notamment de la violence qui a été commise sur la personne d'Evelyne Boucher. Alain Penin, dans cette affaire, vous êtes expert auprès du tribunal et vous voyez Robert Grener. Quelle impression est-ce qu'il vous fait la première fois ? Alors, je le rencontre à la maison d'arrêt. Il me fait l'impression d'un homme calme, d'un homme assez distancié, et qui expose sa biographie, et qui participe à l'examen psychologique, mais sans aucune réticence. Il est atteint d'une pathologie mentale quelconque ? Pas la moindre pathologie mentale, ça c'est clair, et dès le premier moment de la rencontre. Plus globalement, on voit bien qu'il ne délire pas, on voit bien qu'il n'est pas dans un contexte d'hallucination ni d'interprétation. Bref, il est un homme strictement normal. Alors, normal, néanmoins, quelle est sa personnalité ? Comment il fonctionne, ce type-là ? Alors, je crois qu'on peut décliner deux pôles. Il y a un premier pôle qui est un pôle nettement explosif. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il va dire de lui qu'il est un homme sous-pôlé. Et puis, il a un pôle très nettement séducteur. Lorsque je l'observe pour la première fois, il est en détention, je vous l'ai dit, mais il est porteur d'une veste en jean, ses cheveux gris sont bien soignés, et évidemment, il fait attention à l'impression qu'il procure sur autrui. Et ça, il confirme lui-même, en indiquant qu'il est un sujet séducteur, il ne s'en cache pas. Et quand on se met à parler des faits ? Alors, lorsqu'on parle des faits, alors, il commence évidemment par nier fermement avec constance, en indiquant « je n'attends qu'une chose, c'est que la vérité éclate ». Bref, il se situe sur le terrain de la totale négation. Et puis, alors moi je ne suis pas chargé de l'enquête, naturellement, mais j'essaye un petit peu de savoir comment il peut réagir à propos des accusations qui sont formulées contre lui. Et là, il va me paraître très peu convaincant. Parce qu'il va me dire, par exemple, « bah vous savez, moi, je ne me rappelle même pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment voulez-vous que je me souvienne de ce qui s'est passé il y a 19 ans ?» Et après, lorsque je lui dis, mais vous savez, M. Grener, on a quand même trouvé de l'ADN dans le corps de la victime et qui vous correspond. Alors là, de manière un peu détachée, on va dire, mais vous savez, moi je suis pompier. Moi, l'ADN, elle traîne partout, dans les champs, dans les bois, dans les forêts. Donc voilà, ça c'est une manière un petit peu distanciée et extrêmement bizarre de décliner sa version des faits. Et alors, je vais lui demander de façon plus précise, mais, M. Grener, on vous accuse du viol d'une jeune fille. Et là, il va me répondre quelque chose d'extrêmement surprenant. Il va me dire, je ne sais pas si j'ai couché avec elle, ça, je ne m'en souviens pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne l'ai pas tuée. Reste des questions. Evelyne Boucher a-t-elle été enlevée ou a-t-elle volontairement suivi son agresseur ? Et où ont eu lieu le viol et le meurtre ? Le juge organise un transport sur les lieux de la disparition et de la découverte du corps. 20 mars 2007, près de 20 ans après la mort d'Evelyne Boucher, tout le monde se retrouve à Villeneuve-les-Avignon.
ça va se dérouler dans un climat un petit peu tendu. Et le juge, avec les avocats, les parties civiles, refait le parcours, le cheminement qu'a fait Evelyne dans le lotissement, et après jusqu'au lieu où elle sera découverte. Robert Greiner est là, lui aussi. Mais c'est simple, il refuse de participer à quoi que ce soit, il refuse même de descendre de voiture. Il nous dit, j'ai pas de raison de descendre, je suis jamais venu ici. Enfin, pour lui, c'est une mascarade, la reconstitution, puisqu'on emmène un innocent sur des lieux où il s'est passé un crime et il connaît pas. Ça a été une reconstitution tronquée. S'il avait quelque part l'innocence même de quelqu'un, quand vous êtes innocent de quelque chose, vous le criez haut et fort, eh bien, on aurait sorti, il aurait pu dire à la maman d'Yveline, à moi-même, non, Madame Cronier, non, Monsieur Hazan, c'est pas moi qui ai tué votre fille. Je vous le dis devant tout le monde réuni, je suis là, mais ce n'est pas moi qui ai tué votre fille. Il n'a jamais dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? On va lui demander de mimer des actes qu'il n'a pas faits. Donc logiquement, il refuse de participer, c'est tout à fait logique. Ce transport sur les lieux ne permettra pas d'en savoir plus. L'instruction a duré près de 20 ans et personne ne sait vraiment dans quelles circonstances Evelyne Boucher a été violée et tuée. La défense de Robert Greiner va s'appuyer sur ce qu'elle considère être une faiblesse de l'enquête. Comme preuve, les policiers n'ont que l'ADN. C'est un dossier où tout l'accable, où les apparences sont malheureusement trompeuses. Depuis le début, cette enquête est basée sur l'ADN. Mais pour moi, c'est pas convaincant. Parce que cet ADN prouve que mon mari a une relation sexuelle, mais ne prouve pas qu'il l'a violée, qu'il l'a tuée. Qu'est-ce qu'il aurait pu reprocher à Evelyne Boucher? Je ne comprends pas, il n'y a pas de mobile. L'avocate de Greiner, sa famille et ses proches dénoncent une enquête à charge. Et uniquement à charge. Si on reprend le planning des jours précédents, normalement, le 8 décembre, Robert Greiner doit travailler. Le problème, c'est qu'il n'apparaît pas sur les chronos ce jour-là, les relevés d'intervention des pompiers. À l'époque, il pouvait très bien être présent à la caserne et ne pas avoir fait partie des équipes d'intervention. Et donc, à ce moment-là, il n'apparaît nulle part. En clair, dit la défense, ça n'est pas parce que Robert Greiner n'est pas sorti en intervention qu'il n'était pas à la caserne. Il aurait très bien pu tenir le standard. Et dans ce cas, il ne peut pas matériellement avoir commis le crime. Et 20 ans après, c'est invérifiable. Autre élément troublant. La voiture qui aurait servi à enlever, ou en tout cas à emmener Evelyne Boucher. La fameuse Renault 5. Nous avons eu une Renault 5 en 1988, mais au moment des faits, en 1987, en décembre précisément, nous n'avions pas cette voiture, nous n'avions pas de Renault 5. On a beau apporter les éléments comme quoi nous n'avons pas cette voiture au moment des faits, on ne le prend pas en compte. Peu importe, c'est une Renault 5, c'est une autre voiture, mais bon, vous aviez cette voiture au moment des faits. Alors que non. C'est un fantasme quand on nous dit, oui, il a une R5, il était dans une R5. Non, c'est clair, il n'avait pas de R5, son épouse n'avait pas de R5. Ça, on a une certitude sur ce point-là. La défense plaide aussi qu'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Un 22 long rifle. Pas tout ce qui était arme à feu, du coup, on n'en a jamais eu à la maison. Je ne l'ai jamais vu avec une arme. On veut faire passer M. Greiner pour le tueur, mais ça ressort de l'enquête. À aucun moment, M. Robert Greiner n'a eu d'arme à feu. C'est pas un chasseur. Alors d'où il sortait cette arme si c'est lui? Et puis l'accusation n'a qu'un seul témoin contre Robert Greiner.
la lycéenne qui l'a reconnu comme étant probablement l'homme qui conduisait la Renault 5. Lorsqu'on voit passer une personne à peine 30 secondes dans un véhicule, à tomber de nuit, puisqu'on est au mois de décembre, c'est l'hiver, ça me paraît plutôt peu fiable et peu crédible. Et surtout, pour sa famille, Robert n'est pas un sadique. Ce crime ne colle pas du tout avec sa personnalité. En 25 années de vie commune, j'ai eu avec lui des relations intimes qui étaient tout à fait ordinaires, mais c'est peut-être pas le mot à employer, mais c'était pas quelqu'un de pervers, c'était des relations tout à fait saines et équilibrées, mais aucune perversité ou aucune violence dans ces relations. Sa femme sait tout maintenant de ses infidélités, de ses frasques à la caserne. Mais malgré tout, elle n'en démord pas, son mari n'aurait jamais tué. Ce qui me porte depuis 4 ans, c'est ce que mon mari m'a dit au bout de 48 heures de garde à vue, où il m'a pris les mains en me regardant fixement et en... Il avait les yeux rougis, fatigués par cette... par 48 heures de garde à vue, où il m'a dit: Tini, je ne l'ai pas violée, je ne l'ai pas tuée. Et ça, ça m'a porté tout le long. Mais pour moi, c'est une certitude. Il est innocent. Il n'a pas le profil. Il est innocent. Maître Gontard, si, au fond, si on regarde les éléments à charge contre votre client Robert Greiner, bon, c'est vrai qu'il n'a jamais eu d'arme chez lui. Jamais. Il n'avait pas de R5. Non. À l'époque. Donc ça aussi, ça vient à décharge. Mais il y a son ADN dans le corps d'Evelyne. Là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est incontestable. C'est incontestable qu'il a eu un rapport sexuel avec elle. Mais le raccourci qui consiste à dire celui qui a couché avec elle l'a tué est un raccourci, à mon sens, qui est beaucoup trop rapide et pas satisfaisant. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas, justement, de raison pour dire que cet homme aurait suivi cette jeune fille à la sortie de son établissement scolaire, puis ensuite aurait couché avec elle et l'aurait violée, et même l'aurait violée et tuée immédiatement. On a vraiment dans ce dossier des zones d'ombre qui sont énormes. Maître Gontard, c'est l'heure du procès. On est 21 ans après les faits. Comment est-ce que vous l'abordez, ce procès, et comment l'aborde Greiner? Comment est-ce que vous sentez les choses avant? Il y a quelque chose de jouable ou c'est cuit ? Il y a toujours quelque chose de jouable. Il y a toujours quelque chose de jouable. De toute façon, dans ce procès, c'est, on le sait, ou l'acquittement ou la perpétuité, parce que les jurés ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui peut être considéré comme coupable d'un fait et pour lequel il a gardé le silence pendant 20 ans, puisse à ce moment-là envisager d'obtenir quelques circonstances atténuantes par la suite. Mais la difficulté de ce dossier, c'est que 18 ans ou 20 ans après, lorsque vous plaidez ce dossier, la quasi-totalité des témoins ou des acteurs intervenants techniciens ne sont plus en activité. Les deux médecins qui ont examiné la jeune fille sont tous les deux décédés. Les enquêteurs ne sont plus les mêmes. Ceux qui ont constaté les éléments et les événements le jour de la découverte ne sont plus là. Les témoins les plus proches ont disparu. Donc vous êtes véritablement dans une situation où vous êtes obligé de vous servir uniquement des preuves papier, si je puis dire, et des dépositions. Et c'est l'énorme difficulté. C'est peut-être la raison pour laquelle derrière la prescription existe, de pouvoir arriver à faire juger un dossier avec 20 ans de retard. Vous plaidez donc l'acquittement ? Je plaide l'acquittement parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour lui. D'abord, possibilité au plan humain, possibilité parce qu'il nie, et puis aussi par rapport à ce que je vois du dossier, parce que je ne suis pas, et je ne suis toujours pas aujourd'hui, convaincu de la culpabilité de cet homme. Le procès de Robert Greiner devant la cour d'assises du Gard s'ouvre le 7 avril 2008. Une ambiance très lourde, une salle comble et une salle qui est contre M. Greiner. C'est palpable. On sent beaucoup d'animosité contre M. Greiner. Il y a sa famille qui est là aussi, qui est dans un coin. Une ambiance très très difficile. À 56 ans, Robert Greiner n'a plus grand-chose du playboy. Le pompier a vieilli,
Il a les cheveux blancs et le teint blême. Mon mari a une forte pression sur les épaules, puisque tout l'accuse, tout l'accable. Il va falloir se défendre, il va falloir convaincre. Dès le départ, Robert Grener s'insurge. On m'a fait passer pour un maniaque, un détraqué sexuel, un tueur en série, on me rabâche ADN, ADN. Tout repose sur le mot ADN pour m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis. Il dit que c'est une erreur, que peut-être, si c'est son sperme, quelqu'un a pu prendre un préservatif usagé et introduire du sperme à lui dans le vagin et l'anus de la victime, ce qui paraît un peu difficile. Robert Grener nie avoir violé et tué Evelyne Boucher. Il se pose en victime. Il est victime de la société, il est victime de sa hiérarchie. Il est victime de la police, il est victime des gardiens de prison qui mentent et il est victime de la justice, évidemment. Les menteurs, c'est les policiers. Le gardien de prison, c'est pareil, il se trompe, il n'y a que lui qui a raison. Mais son sperme, c'est pas celui du gardien de prison, ni c'est pas celui du policier. Alors qu'il explique, qu'il me donne une explication plausible, qui tienne la route. Mon mari a beau se défendre, mais chaque fois qu'il prend la parole, on a l'impression qu'il est à chaque fois diabolisé, incriminé. Tout ce qu'il dit est transformé et tout est contre lui. Les témoins défilent à la barre pour décrire l'ambiance qui régnait à la caserne. Plusieurs sapeurs-pompiers vont venir indiquer qu'ils ne voulaient plus le fréquenter parce que lorsqu'il était ivre, il était violent, intenable. Qu'il était tout le temps en train de chercher querelle lorsqu'il avait bu. Ensuite, il y a eu la série des témoins féminins qui sont venus dire qu'elles ont été victimes d'agressions de la part de Robert Grener, de violences de la part de Robert Grener. Mais la question qui est sur toutes les lèvres concerne l'ADN. Les analyses biologiques sont-elles faillibles ? La science peut-elle se tromper ? L'ADN peut-il mentir ? Un expert biologiste vient éclairer la cour. Il est extrêmement convaincant. Je me souviens qu'il avait donné un chiffre, que ce soit une autre personne, qui ait la même trace ADN. C'est 1 sur 12 millions de milliards, je crois, si mes calculs sont bons. Matériellement, cet homme n'existe pas à l'heure actuelle. Robert Grener n'a plus le choix. Il est obligé de reconnaître que c'est bien son sperme. Alors, du bout des lèvres, il consent. Oh, il a sûrement eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, mais le problème, c'est qu'il ne s'en souvient pas. Car des maîtresses, il en a eu. Il va se présenter comme un grand séducteur et dans l'incapacité de pouvoir répondre non à toutes les femmes qui l'assaillent et qui veulent à tout prix avoir une relation sexuelle avec lui. C'est presque risible d'ailleurs, parce qu'à l'entendre, il y avait quasiment une queue devant la caserne des pompiers pour une queue de jeunes femmes qui attendaient son tour pour pouvoir rencontrer Robert Grener. Ça complique la tâche de la défense, qui doit maintenant prouver que séducteur ne veut pas dire tueur. Il y a eu relation sexuelle, mais elle est distincte du meurtre. C'est comme par hasard, enfin, par exemple, si vous avez une aventure dans un hôtel avec une jeune femme, vous avez une relation sexuelle, elle sort et une heure après, elle se fait tuer. Comment vous faites pour prouver votre innocence si on retrouve votre ADN ? Impossible, dit l'accusation. L'argument ne tient pas la route. Elle rappelle qu'Evelyne Boucher a été retrouvée allongée sur le sol, ses sous-vêtements à côté d'elle, et que les experts n'ont relevé aucun écoulement de sperme le long de ses jambes. C'est donc qu'elle ne s'est jamais relevée. Elle n'a pas marché. Le viol et le meurtre sont concomitants. Et l'auteur des faits, c'est Robert Grener. Un loup déguisé en pompier.
Ce sont des mots que j'ai employés parce que je reste persuadé que Robert Greiner, vis-à-vis d'Evelyne, a été un prédateur, qu'il l'a suivi pendant plusieurs jours avant les faits. Pour l'avocat général, Robert Greiner a voulu accrocher Evelyne Boucher à son tableau de chasse. Il n'a pas supporté qu'elle lui résiste. C'est pour ça qu'il l'a violée et tuée. Ses avocats tentent d'éteindre les flammes. On va soulever ce qui paraît pour nous important, c'est la différence entre la relation sexuelle et le décès d'Evelyne Boucher. L'absence de mobile, pourquoi il aurait tué Evelyne Boucher? Et puis, les faits reprochés ne collent pas à la personnalité de Robert Greiner. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Greiner tente de convaincre une dernière fois. Je n'ai pas assassiné cette gamine et encore moins violée. Les jurés ne l'ont pas cru. Le 10 avril 2008, après 3 heures de délibéré, Robert Greiner est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il va crier son innocence. Il comprend pas. Il avait préparé ses sacs à la maison d'arrêt. Il avait déjà tout rangé dans sa cellule. Et là, c'est pour lui, c'est l'horreur. Arrêtez, là, c'est un scandale, c'est une injustice totale. Là. Le juge est innocent, là, mais ils sont complètement cinglés, là, ou quoi? Attends, mais appelez-vous pas, moi je suis innocent. Ils ont condamné un innocent, là. Non, t'es pas innocent. Chut, ça fait 22 mois que je le dis. Ça peut pas continuer, il faut que ça s'arrête, ça. Mais tu vois pas que c'est un scandale, c'est une injustice totale. Maître Patrick Gontard, votre client Robert Greiner fait appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce procès s'ouvre le 28 septembre 2009 à Lyon. C'est évidemment le procès de la dernière chance. Comment est-ce qu'il se déroule, ce procès-là, par rapport au premier? Alors, il se déroule dans des conditions d'abord plus difficiles pour lui, parce que en détention, il vit un enfer. C'est un homme qui, au plan intellectuel, s'est totalement délité. Le fonctionnement intellectuel n'est plus du tout le même, et je vois quelqu'un, lors du deuxième procès, qui a même, et y compris, des difficultés à parler et à s'exprimer. Il n'apparaît pas d'éléments nouveaux à ce procès? Aucun élément nouveau. Donc on brasse les mêmes éléments, oui. Et vous plaidez à nouveau l'acquittement? Et je plaide à nouveau l'acquittement, parce que je continue à avoir la conviction, et parce que le dossier continue à permettre de plaider l'acquittement. Et lui, Greiner, il s'est comporté comment, cette audience, par rapport au premier procès? Il est à la fois toujours cet homme qui traverse un procès qui est le sien sans être le sien. Il n'est pas d'une grande aide pour la défense, et il est assez maladroit, et c'est donc un avantage pour l'accusation. Le deuxième verdict, c'est quoi? Perpétuité. Comme au premier procès? Comme au premier procès. Mais c'était, de toute façon, ou tout ou rien, ou l'acquittement ou la perpétuité, dans tous les cas de figure. Madame Cronier, à la fin de ce procès et de vos presque 20 années de combat, Greiner est envoyé sous les verrous, condamné à perpétuité. C'est ce que vous vouliez? Oui. C'est ce que je voulais. Deux jurys populaires, deux procès, deux verdicts identiques. Donc, deux condamnations à perpétuité. Donc, pour moi, c'est la mémoire d'Evelyne. Et surtout, c'est la fin, si vous voulez, c'est un aboutissement de toutes ces années. Mais je ne sais pas, et je n'arrive pas à comprendre comment il a pu vivre 19 ans avec, avec ce secret sur les épaules.
La défense de Robert Grener tente un pourvoi en cassation, mais en juin 2010, la chambre d'accusation rejette sa requête. Il est définitivement coupable du viol et du meurtre d'Evelyne Boucher.